Conform? On l'a vu. Au nom du Fonds des Nationaux Engagés, on a salué présence, la presse qu'il a matin, de manière particulière, qui vient nous couvrir conférence de presse avec nous. Il a profité pour nous saluer tous militants, militantes, leaders politiques qui sont présents matin dans la salle, côté le Fonds des Nationaux Engagés à travers porte-parole, la by position officiellement sous conjoncture politique. Comme nous connaissons, le Fonds des Nationaux Engagés, c'est un forum politique qui est créé avec objectif de gommer pour une stabilité dans le pays, pour nous gommer pour la population haïtienne capable de mieux être, pour nous faire pression sur tout le monde, autorité qui gagne responsabilité envers le pays, pour assumer responsabilité. Je veux dire, comme nous connaissons, le pays a vu une situation spéciale. Côté, nous gagnons problème d'insécurité. Nous avons un problème de gouvernance posé parce que nous avons un gouvernement démissionnaire. Nous avons un problème de précarité. Nous avons un problème d'élection qui vient. Et question élection, c'est une obligation constitutionnelle qui est liée pour que l'élection organisée dans la fin année ça. Et bien, je dis, sur ensemble des grands points, le Fonds des Nationaux Engagés, à travers son porte-parole, l'ex-député Maxo Balthazar, nous a fixé position. Député, monsieur le député, merci. Merci. Allez, je vais m'en venir, on en a pas mal. Bon, qu'est-ce que vous êtes? Je vais le passer. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Avant, on continue. Allô? Voilà, monsieur. On va continuer ça. Vous balancez, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes Yon l'autre fois encore, le Fonds des Nationaux Engagés a remercié la presse pour présence li dans la conférence de presse matin. N'a profité l'occasion pour nous saluer tout membre FNEO qui dans quatre coins pays d'Haïti. Et n'a remercié tout pour dévouement yo et détermination yo pour arriver à gagner un changement tout bon vrai dans le pays d'Haïti. Et n'a profité l'occasion également pour nous remercier de manière spéciale ministre Evelyne Saint-Ville, ministre conditions féminines, qui toujours accompagne nous dans toute lutte pour démocratie que nous avons menée en d'un pays. Encore une fois, ministre Evelyne, nous vous remercions pour la présence dans la salle ensemble avec nous. Président Jovenel Moïse, deuxième mi-temps. Président, deuxième mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, ça, pendant un pile équipe à jouer, toute qualité à préparer pour y monter terrain pouvoir, le Front des Nationaux engagé lui-même, l'ouvrigel bien large pour le garder. Pendant l'abgade tout, qui gens, bandits, axam, a fait la loi dans plusieurs coins dans le pays d'Haïti. Quartier populaire nous occupé avec bandits axam. L'Antibonite occupé avec bandits. Marché Wabossal, bandit femel. Croix des bouquets avec Tomazo, tourné paradis pour bandits armés. Policiers nous yo.
policiers nous yo a tombé chaque jour en bas coup de zam a tout fait ça yo malheureux à malheureuse nous yo a monté yon m'a suivi en bas a tout fait a zam ça yo mais na équipe a joué ça yo qui voulait monter terrain pour voir n'a demandé est-ce que il y a vision et volonté tout bon vrai pour soulager misère et douleur population. Président Jovenel Moïse, deuxième mi-temps dans la politique, c'est toujours deuxième mi-temps peuple allié. Président, deuxième mi-temps ça, c'est un jouet malouk, Timoun Bakajouel. Président, soleil levé, soleil couché pour l'autre monde. L'île, l'étang, pour la ligne peuple, changer quartier. Sous affaire sécurité ça, le Front des Nationaux engagé a posé question ça y est encore. DGPNH la côté CSPN côté nouillé. Ministre intérieur côté ministre défense là ça va faire. Secrétaire d'État sécurité publique la côté FNE a posé une autre question. Pour qui ça? Chaque jour qui passe, l'État haïtien a perdu contrôle territoire national là, Tikras, pas Tikras. Président Jovenel Moïse, c'est seul leadership qui a sauvé pays ça dans situation malouque qu'il y a là. On a continué pour nous dire. La sécurité, ce n'est pas un problème bandit à exemple seulement. Grand goût, c'est insécurité tout. La vie chère, c'est insécurité. Pagé l'hôpital, c'est insécurité. Pagé de l'eau potable, c'est insécurité. Pagé l'école, c'est insécurité. Et la trier. C'est pour toutes raisons ça, yo. Qui fait que le Front des Nationaux engagés a suivi attentivement formation nouveau gouvernement ça. Parce que peuple haïtien besoin tout bon vrai et l'attendre tout bon vrai résultat que le besoin. Président, c'est dans un moment ça, vraiment, que le pays a besoin tout bon vrai un gouvernement de sauvetage national qui doit composer de femmes et garçons compétents et capables. N'a pas dit tout, président, dans le premier mi-temps jouet là, tu as un jouet souterrain qui te baille coup. Tu as un qui prend coup. Gagne tout président qui blessé. Et Abdou Clair, président, le Front des Nationaux engagé, nous pas conseillé, mais n'a dit où? Joué blessé, pas monté terrain, dans deuxième mi-temps, yon final. Dans la situation pays a traversé là, c'est chaque pouvoir dans l'État qui doit jouer partition payo dans sphère d'action payo pour retirer pays à dans situation que lié là comme ça mandé président pays parlementaire nou yo KEP pour yo chaque dans ça qui concerné yo prend toute disposition pour élection en fait à temps dans pays. Parce que le Front des Nationaux engagé, pas d'accord pour pays ça, dirigé en bas décret, pas même
pour un jour. Parlementaire Frère Massem, quel que soit la politique que fait en bas, le Front des Nationaux engagé, mandez-nous pressé, pressé, sans garder derrière, avant même que nous allons en vacances, pour nous doter pays, pour nous bailler pays, une loi électorale. Fait demander pour le gouvernement monter pressé, pressé. Pour le budget national à déposer devant le Parlement, tout de suite, avec bon Jean Crédit, pour bon Jean Crédit budgétaire pour l'élection. Comme ça, nous ne pouvons pas traîner bol bleu nous devant l'étranger pour l'élection dans le pays. KEP, côté lisse et le coralou. KEP, côté bête. KEP, côté bête. KEP, côté bébé. KEP, le Front des Nationaux engagé. A tout clair, pays ça, pas prend élection bouillie vidée encore. Le Front des Nationaux engagé, a bataille pour un pays stable. Un pays stable politiquement. Un pays stable économiquement. Un pays stable socialement. Vive FNE, vive Haïti. Libre et indépendant. Si y a une question, nous la presse parlait, écrit, télévisé, en ligne, nous dit non, bonsoir. Dans nos FN, nous mettons à disposition. Et s'il y a une question, sous question de texte, que FN se plie pour nous, et puis nous sommes capables de répondre. Et bien content que c'est pour la première fois et que nous joignons des journalistes qui sont d'accord avec nous dans des positions, tant que vous êtes là, dans le moment que nous avons écrit. Nous tiens à féliciter nous, bravo. Et on l'a que toute population comprend. Merci. 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 Explicite. Et si simplement nous n'avons pas clair, nous pensons que nous devons apparaître pour me répondre à quelques questions. Mais nous devons être clair avec le pouvoir que nous parlions avec vous. Pour nous dire, nous mettons dans le front des nationaux engagés. Nous disons que dans le moment ça, le pays d'Haïti, c'est le pays. D'abord, tout le monde qui va, qui fait des places aujourd'hui, qui nous vient dans la conférence de Versailles, nous parlons de pays de rechange. Nous n'avons que Haïti. C'est peut-être ça, pas un sacrifice qui doit grand pour nous qui là pour nous faire pour le pays. Et nous devons faire chaque jour. Et chaque jour, FN et Abdil, nous devons faire. Si quelque chose, on a parlé pour nous répondre à une question. Oui, non, parmi ces études de l'essentiel, on a parlé aussi à l'école. Et nous demandons pour KEPA organiser l'élection pressée, pressée. Alors, si nous mettons bémol, nous disons qu'il faut faire des élections, non pas pour élections, pour éviter encore. Alors, si des spécialistes, des gens qui travaillent dans le domaine, nous montrent que le pays et KEP a trouvé dans l'incapacité pour organiser l'élection à Nisa. Donc, est-ce que nous ne pensons pas, ils ont nous dit à l'évitant, c'est une élection pour éviter le bon nom? Ok. Et nous répondons que chaque jour, nous parlons. Le pays, ça qui a le plus de problèmes. C'est depuis lors où on est que question élection yo yo pas jamais qu'à faire attend. Mais nous garantis que depuis sous privé après sous celle privé en tant que président que nous tous te connaît comment démonter là, te gon conseil électoral qui était là pour organiser élection. Te gon un décret électoral qui te dit que comment conseil électoral la monter et comment le doit remplacer. Et monsieur c'est président et toutes neuf membres conseil électoral ça qui côté a touché quoi pays mise en place yo doit faire convenablement, si la situation politique bandée pour le remplacer, il a remplacé, mais mise en place, ça les machines électorales là, nous devons en branle pour n'importe moment donné que le peuple haïtien a besoin d'élection, parce que sinon, nous devons questionner sur quoi bien toucher depuis les privés d'installer. Merci. Regardez-vous, François, notre travail pour la télévision Caraïbe. C'est comme si nous constatons FNE, contenter seulement pour le souligner ensemble côté quand il a fait la loi et puis limiter tout côté instance qui concerne les autres. Mais est-ce que FN nous-mêmes
conscient de situation sécurité en cas dégradé par une proposition d'affaires. Vous avez quoi phénomène ça? Chaque fois que nous chita ensemble avec Radio Caraïbe, dans la conférence, nous avons un seul bagage que nous disons. Nous toujours réclamer pour l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous toujours dit que c'est peut-être ça que pendant le texte là, nous parlons des déshabitants. Nous parlons que faut que les gens qui sont capables d'assumer la responsabilité. Si nous parlons de nous-mêmes en tant que parti politique et organisation de base, nous ne pouvons pas remplacer l'État. N'a forcé l'État comme des groupes organisés pour faire ça que nous avons fait à travers le pays. Nous dit non, nous dit assez. Et si nous nous arrêtons là, qui nous a là, t'as répété ensemble avec nous, nous demandons, est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Haïti est là? Non. 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 Ça veut dire que ce sont des signes qui montrent, je dis à ou même pour ce placard, ou sans trop inquiet. Nous ne pouvons pas vivre dans le pays comme ça. Nous demandons, les gens qui ont touché comme l'État, les gens qui ont été actionnés même, directeur de la police là, c'est moun ça, moi même pas qu'à remplacer. Aucun moun qui là, comme des leaders politiques ou des chefs d'organisation, moun pas qu'à remplacer moun ça. Simplement nous pour deux fois. Si je dis en dans conférence de presse, nous demandons pour mettre fin avec que son insécurité va faire, mais nous prenons des populations pour prendre la route pour manifester contre question insécurité là, et pour manifester pour contre ça ou les habits, injustice qu'a fait là, je vous dis là. C'est ça l'effet lui. Et faire ni camper pour simplement, ou même qui la carrière pour qu'on ait journée aujourd'hui là, ou te cop d'axe ou payer chef de la police là, ou payer moun qui est responsable intérieur, ou payer moun qui est responsable sécurité publique là. Je dis à la soupe à la sécurité, ou qu'on dit à ce qu'on m'a dit. Je dis à nous réclamer sécurité à travers le pays. Quel que soit côté bandit à y'a, avec moun que là en contact là, nous demandons que pour marcher le rejoindre. Parce que plus gros mal que vous faites dans la société, c'est là, on se rue des moun. Yo prend sous grand goût sous misère peuple là, il a fait yo ri sous misère yo parce qu'il a acheté des armes 3-4 000 $ pour mettre dans main de monde de jeunes garçons pour finir à venir pendant ce temps ou pas jamais entendre que yo nan moun sa pa acheter gros armes ça yo ou pas jamais entendre que la police font coup de filet il veut sous je dis faut nous dénoncer de plus haut niveau et faut prendre toute la responsabilité nous et faut nous dire nous pas jamais peur parce que assassins bandits criminels yo faut nous longer droit sous yo c'est pas moun qui a des armes non simplement. Mais c'est le monde qui a alimenté la question. C'est ça, FN depuis le début. En tant qu'organisation militante dans la société, nous remarquons que la question de sécurité a préoccupé nous. Et au fin de la tête, là, que n'importe qui est en connivence ou bien qui est en contact avec les chefs de gang que la police marche pour. Mais comment comprendre les dernières déclarations hier et président de la commission sécurité et justice, Sénat républicain en fait, qui révélait que tu as un sénateur, les cité non le sénateur Gracia Delvin, qui t'a en contact 24 fois avec un chef de gang que la police a pris chercher. Nous avons répondu devant la population, ça pour nous dire. Nous avons mettre le Sénat ou bien la chambre de députés à la pour faire des négociations, non? Nous mettons pour faire travail, parce que nous payons pour ça. Je voulais vous dire, c'est ça, vous m'avez dit. C'est ça, Pepe Haïtien. Ça veut dire ça. Ça veut dire que, par un parlementaire, que vous attendez de nous, c'était en X ou Z, nous n'avons pas besoin que l'autre sénateur monte, qui a fait des négociations. Nous demandons pour faire ça, la loi. Mandez. Parce que nous demandons autant. Oui, je pense que nous disons merci. Alors, représentant diaspora autour de table ensemble avec nous là, parce que nous toujours gagnons nos représentants qui sont dans la diaspora. Alors, il faut prendre que nous avons rentré dans le pays. C'est des gens que je vous ai dit là, l'hypocrisie communauté internationale a profité pour nous tout dire ça avec nous. L'hypocrisie internationale là vis-à-vis de nous, vous comprenez ça vous fait nous? Je vous dis là, avion pas volé droit pour Haïti. Si vous n'avez pas acheté des tickets pour Haïti, je vous dis à des représentants internationaux là avec nous, qui sont autour de table ensemble avec nous là. Mais ma répété pour me dire nous bagaille. L'hypocrisie, ça a demandé, faut que nous ayons pays qui dit aux ses amis Haïti, faut suspendre. FN demande pour suspendre l'hypocrisie ça. Parce que il s'aime. Pas oublier, en 94, c'est eux qui devine là. Vous devine pour ton démocratie dans nous. Le côté démocratie, là, vous créez, ça pour créer dans la démocratie, vous nous là, vous dites, n'a pas touché là-dedans. Pas oublier encore. Ils ont retourné là encore en 2004
nous tout est là. Le ministre a l'air quitté ça ou elle quitté là pour nous. Je dis pas qu'il y a plein de pays ici pour faire nous passer des canards sauvages, pour faire comprendre que c'est nous-mêmes qui avons toute responsabilité pendant que chaque fois que vous entrez ici, vous créez tout vide pour créer, tout vide institutionnel pour créer. Je dis à ma les pays ici, levez campé. Parce que je dis à l'homme, nous sommes listes que nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Si vous mettez nous sur l'issue, nous pensons que c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité et c'est eux-mêmes encore qui font complot contre nous. Je dis à vous, cessez. Nous ne pouvons pas faire nous payer le consent. Nous ne pouvons pas continuer à payer ça international à continuer à faire là. Et je dis à nous déclarer avec nous l'issue que vous mettez à Haïti. L'issue que vous mettez nous, nous ne pas d'accord. C'est peut-être ça que nous avons Madame Espérancia, qui ensemble avec nous, parce qu'il y a du mot qui peut passer à nous. Merci. Qui l'a matin, m'a salué la presse écrite en ligne et peut-être télévisée, oui, bien sûr, nous la télévision, tout, me saluer nous toutes et me remercier nous en pile du fait que nous venons en grand nombre dans la conférence de presse à matin. Moi-même, moi c'est Espérance à César, moi c'est un représentant diaspora et comme nous connaissons diaspora depuis 85, la boumé pour démocratie dans le pays d'Haïti. 2003-2004, la boumé toujours pour démocratie dans le pays. Démocratie pour les capables d'exécuter, pour que nous ayons stabilité. Donc, sans stabilité, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le pays. Et ça concernait diaspora énormément qui besoin rentrer pour les investir. Dans le pays. Nous avons besoin pour nous participer dans toutes les affaires du pays. Socialement, nous avons besoin, faut que nous soyons social, faut que nous politiquement reconnaître, faut que nous ayons tout droit nous. Mais sans sécurité, nous ne pouvons pas faire. Donc, c'est dans ce sens qui fait que diaspora engagée et moins accentuée sur engagée avec FNE pour nous lever voix nous ensemble. Pour nous dire que assez, c'est assez. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de sécurité pour nous faire pays nous redémarrer. Parce que dans le moment ça que nous avons parlé, tout bagaille suspend. Avion pas qu'à rentrer. Ou pas qu'à marcher. Insécurité partout. Donc, avec FNE, nous faisons voir nous passer ensemble pour nous bailler un seul message. Message là, c'est même message. FNE à Banou là. C'est sécurité, stabilité que nous besoin pour Haïti qui a avancé. Jean devise nous en dit là, l'union fait la force. Donc c'est chai main en pile, chai palou. C'est nous pour mettre main nous ensemble pour nous capables de faire tout rêve nous réaliser pour pays noir que nous remet en pile là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you.